Donc quelques points importants sur le PSN, la mise sous tension avec la clé. Dans un premier temps, vous voyez, position 1, donc pour la mise en sous tension, les flux, vous voyez 0,45, 0,44, flux entrant, flux sortant, qui doivent être similaires hein, pour assurer une bonne aseptie dans le PSM. Et s'il y a un problème, donc un signal sonore devrait vous avertir de la situation. Donc là, on a le PSM avec l'écran plexi hein, qui protège l'utilisateur. Là, on a éteint les UV et on peut allumer la lumière pour visualiser. Donc là, à droite, vous avez un voyant qui montre que on peut mettre du gaz pour travailler avec le pipette head pour prélever les milieux. Donc vous avez aussi un bouton pour l'aspect électrique. Donc à l'intérieur du PSM, il est possible de travailler avec ce système qui va nécessiter eh bien, une arrivée gaz et un piézoélectrique pour alimenter le pipette head. Donc il faut évidemment brancher sur secteur eh bien, le système qui va permettre l'aspiration. Voilà pour l'essentiel concernant les différents éléments du PSM.